Vous nous aviez déjà séduit hein, dans Sa femme d'Annie en chantant Omar Khayyam il y a 6 ans, puis ensuite les trois gloires de la chanson arabe, Oum Kalsoum, Fayrouz et Asmahan. Et il y a ensuite ce disque, hein, donc, sorti il y a un peu plus d'un an. Vous interprétez 6 chansons de Barbara et 6 chansons de Fayrouz. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces deux grandes artistes au juste ? Alors, on est en plein dedans, justement, les deux cultures. Au bout d'un moment, je me suis interrogée sur ce que j'avais envie de chanter, qu'est-ce que j'avais envie de représenter aujourd'hui. Vu que je suis très proche de la culture française, mais je n'ai jamais vraiment chanté une chanson, la chanson française, sauf quelques titres connus d'Edith Piaf, La vie en rose ou Paname. Et là, c'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas joindre les deux, justement, mettre les deux dans un même spectacle et faire comme un dialogue entre les deux. Donc, j'étais un peu l'amie des deux, au bout d'un long moment quand même, où j'ai côtoyé Barbara aussi bien que Fayrouz. Et j'ai trouvé chez les deux des ressemblances incroyables, autant dans la manière d'être, dans la personnalité, les choix, les engagements. Et dedans, je me suis trouvée, justement, j'appartiens aux deux mondes. En quelque sorte. Donc j'ai essayé d'être le pont virtuel entre les deux, de les faire parler, même si elles sont plus là. Enfin, ouais. Si, Fayrouz est toujours là, mais elle ne chante plus. Mais elles se sont jamais rencontrées. Donc je me suis dit, tiens, je vais être le pont. Et à travers, évidemment, les arrangements qu'on avait faits, le choix d'épurer les chansons, de partir un peu dans une autre couleur, un autre genre, m'a beaucoup aidé à faire ça, eh bien, ça marche très bien. Le temps perdu, la jeunesse qui s'est enfuie dans Sa femme d'Annie, mais aussi l'amour, la vie, les souffrances, l'espoir, voilà des thèmes qu'elle abordait souvent dans ses chansons, Barbara. Oui, des thèmes assez durs quand même. Hein. Elle parle beaucoup de la femme qu'elle était. Et après, bon, il y a des histoires aussi. On dit souvent que des histoires imaginaires. Après, on découvre aussi que ce sont des choses qu'elle a vécues. Chez Fayrouz, il y a la même chose, mais très dissimulée, très discrète, hermétique à la limite. Donc, j'ai vraiment voulu percer ce mystère chez Fayrouz. Autant Barbara, elle est crue, elle est vraiment austère et elle va jusqu'au bout des choses, que Fayrouz, elle est restée... elle voulait parler de toutes ces choses-là, à mon avis, hein, ouais, au ouais, sens ouais. Après, il y en a qui peuvent dire non, mais, ouais. mais j'ai pensé justement que faire parler les deux, ça pouvait justement faire sortir ce côté, percer un peu les tabous. Nous irons voir ensemble des jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ?